Le 18e jour de mer a été une nouvelle journée pleine de rebondissements sur la Volvo Ocean Race. À 15h, nous avons appris que Puma avait dématé. Le skipper Ken Reed nous raconte l'histoire. Obviously, first things first, everybody's in one piece. Nobody was hurt, nobody's even close to hurt. And then some clear heroics from the crew. Casey, knowing full well that I wouldn't let him jump in the water to cut the mainsail free to try to save the mainsail, just jumped in without asking my permission. So the bottom line is, our leg's over. We're still 2,300 miles away from Cape Town. We are under jury rig heading that way. We're assessing all our options. And to say that we're disappointed would be the understatement of the century. L'équipage déçu, qui s'est battu en tête de la flotte avec Telefonica depuis le départ d'Alicante il y a 16 jours, fait maintenant route au moteur vers le port le plus proche, sur l'île de Tristan de Cunha, connue pour être l'une des îles les plus isolées du monde. Bien qu'il y ait de la compassion au sein de l'équipage de Telefonica pour celui de Puma, le bateau espagnol a maintenant une sérieuse position de leader. J'ai juste eu des choquantes news that Puma a juste perdu son rig, which it's very sad for them. I feel very sorry for them. I know how they feel. It's not a very great. So let's hope they get there in a good time and get ready for the next leg. But for us, yeah, we just got to work our way around this high and beat Canberra now, who are 160 miles behind. So hopefully we don't have to push it too hard, don't have to break anything ourselves, and get in there. À bord de Camper, l'équipage est confiant dans sa capacité à remporter cette première étape. As you can see, it doesn't take long for stuff to change very quickly. Camper a aussi eu son lot de problèmes. I really think I need to suture his lip up in the next hour or two anyway. Don't want to leave it much longer, so we're just gonna have to dial the boat down and try and keep it as steady as we can so I don't suture his whole mouth together. Avec trois bateaux encore en course et trois bateaux qui ont abandonné, cette première étape est devenue une course contre la montre pour les responsables de logistique. Pour Sanya, cette épreuve a commencé quand ils ont abandonné avec un gros trou dans la coque au deuxième jour de l'étape. Aux dernières nouvelles, le bateau est sur un cargo en route vers Cape Town et le nouveau tronçon de coque est en construction. Il devrait être prêt pour l'arrivée du bateau. Avec tous ces accidents et toutes ces histoires, la première étape est loin d'être terminée. Retrouvez-nous demain pour connaître les derniers rebondissements. You